1, 2, 3, enregistrement. Salut le monteur, juste pour te dire que, bah, bon courage. Merci! Yo, salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo LRHEY. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, pour de vrai, hein. Retour sur le 18-25. Pourquoi? Parce qu'on revient, du coup, sur le 18-25, ma gueule! Putain, ça fait tellement longtemps. C'est juste que c'est drôle, parce que le 18-25, petit à petit, avec le temps, bah, il y a de moins en moins de gens. Et tu vois, un jour, bah, il y aura plus personne. ce sera une relique. Une relique, ce sera comme MSN. Petit instant promo et auto-promo, LRHEY. N'hésitez pas à vous abonner. On est à 940 abonnés. Du coup, on est bientôt à 1000. Qu'est-ce que t'attends? Il y a du lourd qui va arriver d'ici les prochains mois et les prochaines années, bien sûr. Mais du coup, c'est l'heure de s'abonner. Du coup, c'est quoi le concept pour rappel à tous les abonnés? On va regarder un petit peu 2-3 topics et on va réagir. Alors, il y en a un. Pourquoi les gens au RSA sont autant stigmatisés? Je comprends pas vraiment ce principe de vouloir mettre sur un piédestal les gens au RSA en sachant que les 70% des jobs sont littéralement bullshit et ne contribuent pas vraiment à la race humaine, voire est délétère. Je conçois que ce soit rageant de payer un haut taux d'imposition, mais les autres, si votre métier n'est pas le lien avec l'énergie, récolte de matières premières, le vrai artisanat et que vous êtes au SMIC. Pour ma part, je n'ai bénéficié d'aucune aide, très peu de revenus, mais je cherche des vraies solutions pour contribuer aux autres et ne pas juste m'enrichir sur leur Quen. Je vis en étant profondément minimaliste dans un studio, pas de smartphone. Pas de smartphone, bon. Limite, j'ai l'impression que le peuple, dans sa globalité, sont plus enclins à en vouloir aux fainéants cassos, comme ils aiment les appeler. Alors déjà, de 1, désolé, ça fait très longtemps que j'ai pas lu. Du coup, j'ai l'impression d'être un cassos, mais je sais lire. Deuxièmement, pour ceux qui ne sont pas au courant, France Travail, c'est l'ancien nom de Pôle Emploi. Enfin, c'est le nouveau nom de Pôle Emploi. Très intéressant ce qu'il dit, en sachant que 70% des jobs sont littéralement bullshit. Il n'a pas tort. Il n'a pas le tort. Faut savoir que la France, le système économique, t'as beau dire ce que tu veux, on est devenu une économie de services. Donc, il a pas tort. En fait, t'es là, en fait, tu vis, d'accord, tu gagnes de l'argent, l'argent, tu le dépenses. Et c'est ça, c'est tout. On apporte tout et les gens consomment. Certes, on est beaucoup imposé, mais ce qui est le plus imposé, c'est la TVA, d'accord, sur les produits. Et c'est ça qui rapporte le plus en termes d'impôts. D'une certaine manière, si tu rages que tes impôts soient utilisés n'importe comment, bah oui et non, en fait. Mais dans tous les cas, c'est dans ce que tu consommes. Et autre chose, les voleurs, les meurtriers, les fouteurs de merde, ils vont en prison. En prison, sur le papier, bah c'est une forme de torture. C'est la torture la plus légale au monde. Ça consiste à enfermer quelqu'un durant une date, etc. Et crois-moi, quand tu prends la pilule noire de la vie, crois-moi, perdre 2 ans enfermé dans des barreaux, même si t'es un meurtrier, t'es un violeur, t'es tout ce que tu veux, en termes de ratio dans ce que toi, tu fais dans la vie, crois-moi, c'est une perte. Je ne minimise pas les choses. Bien sûr que beaucoup de choses bien pires devraient arriver à ce genre de gens. Moi, ce qui me saoulerait, c'est surtout que y a des emplois qui, à la base, voilà, les gens sont payés à rien foutre. C'est plus ça qui me casse les couilles, tu vois. Mais bon, ça c'est une autre question. Voyons ce que le peuple a dit. Pavé César. Alors, un mème, un petit chat. Exa, il faut bien taper sur la gueule de quelqu'un. Et les médias politiques qui en rajoutent une couche. En effet, les médias, vous croyez qu'ils vont taper sur qui? Vous croyez vraiment qu'ils vont taper sur qui? Sur leurs employeurs? Parce que les smicards et les autres joyeusetés préfèrent s'en prendre aux mecs du RSA car ils peuvent directement leur parler via un espace d'échange tandis qu'ils ne pourront jamais le faire pour les vrais voleurs. En fait, pour moi, demain, on te dit, écoute, viens, prends ce job, t'es payé 10 000 euros. Et tu ne dois rien faire. Même si, sur le papier, c'est de la merde, il refuserait. Le fait est, en fait, il y a un mec qui se dit toucher le RSA et rien glander de l'autre côté plutôt que de gagner un petit peu plus, mais faire un boulot, c'est une catastrophe. Alors, je peux comprendre, mais Ray, en tout cas, les Ray et RSAistes, vous êtes des ouf ou quoi? Vous êtes des ouf? Je sais plus c'est combien le RSA, je crois c'est 400 balles ou 900 grand max quoi. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas juste aller au fast food, mec. Le RSA, c'est pas un choix à partir du moment où vous devez payer un loyer. Ah bah, tu vois, regarde, il a dit les termes. Le RSA est une aberration totale, ça n'a aucun sens. Le discours très classique aux gens au RSA, oui, mais moi je participe au système. D'accord, alors ne réclame pas de l'argent au système, c'est un peu facile sinon, non? Alors, du coup, ça c'est un autre point de vue très intéressant, et c'est vrai que en vrai, en réfléchissant, qui a inventé le RSA? Qui a inventé le RSA? Vous êtes des ouf ou quoi? Qui a donné cette combine? Enfin bref, le sujet du RSA restera un sujet très intéressant, mais on s'arrêtera là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le forum? Plus les années passent, plus je me fais chier. GTA 6, c'est donc ça le jeu le plus attendu? Allez, GTA 6. Alors voyons voir. Une meuf et... une meuf. C'est moche. Bah, c'est vrai que c'est pas... ça envoie pas du feu, quoi. Merci de nous montrer 2 beaux exemples de compression. Avec le singe. C'est probablement la compression, oui. 2 choses. Ce n'est pas une cinématique, mais du jeu en temps réel. Moi, GTA 6, pour de vrai, j'en attends pas beaucoup. En fait, ils ont surhypé le truc. Que Day One, ça va sortir. Il y a forcément des gens, ils vont trouver des glitches, il y aura forcément des bugs. Les gens vont s'amuser à tacler le jeu. Puis après, bah, il y a une communauté qui va se former, puis voilà. Fin de l'histoire. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Alors, par contre, si nous, ils arrivent
il va nous choquer. Moi, je dis allons-y, quoi. Perso, j'attends plus le nouveau The Witcher. Honnêtement, j'étais assis, j'en ai rien à foutre. Le 5 m'a dégoûté de la licence. C'est vrai que le 5, moi, ça m'a pas plu plus que ça. Hein. J'ai pas aimé. Toujours plus beau que toi. En même temps, PS5, Ray, tu t'attends à quoi? Tant que les bzaises sont bien faits, day one. Comment ça, pas mal les bzaises? Comment vous faites de l'argent hors boulot? Tiens, ça, c'est intéressant. Paris sportif, 3 hasardeux. Casino roulette. J'ai déjà tenté, j'ai perdu sur 20 balles, j'ai perdu 17 balles. J'ai fait la manche à Genève vers la gare, environ 150 francs par jour. Alors, go mendiant pour gagner de la thune. C'est hyper risqué en vrai. Hein. Bourse, crypto. Alors, bourse, pourquoi pas? Crypto, franchement, flemme. J'achète des iPhones cassés sur le bon coin pour pas cher, je les répare et je les revends. Bonne idée, mais bon, ça dépend combien tu fais de marge. Les célébrités qui ne ressemblent pas à leur nom. Ariana Grande alors qu'elle n'est pas grande. Christian Clavier. Pourquoi Christian Clavier? Effectivement, il n'a pas tête de clavier. Il est trop con, lui. Gilles Lelouch, alors qu'il a l'air grave sympa. C'est vraiment des cons, quoi. Donald Trump, alors qu'il n'a trompé personne à part sa femme. Italie, un bébé fait un coma éthylique. Le Covid. Je me sens supérieur à la masse quand je sors dehors. Non. Photo de mon pote bourré. Non plus. Je ne suis plus avec mon ex, mais quand je parle à une autre fille, j'ai l'impression de tromper mon ex. Vous aussi, vous vous sentez rupture? Non, mais j'ai découvert que j'étais bi. Comment t'as découvert ça? Comment tu l'as découvert? What the fuck? À force de ne pas être à l'aise dans des situations plus simples, j'ai fini par me poser les bonnes questions et surtout par réfuter les bonnes réponses. What the fuck? L'autre, il fait son coming out en plein public, quoi. Féministe nationaliste, 9 sur 10, vous lui faites quoi? Non. Non, pas de femme. Se marier ou se brosser les dents? Mais se brosser les dents, évidemment. La réponse est si évidente. Oui, elle est évidente, la réponse. Pas plus de 2 minutes et on n'oublie pas la langue. Je pense que la réponse de tout le monde est de se brosser les dents. C'est normal avec la tête de Macron. On brosse les dents 2 fois par jour. Heureusement, sinon ce serait un choix difficile. Se brosser le sgeg avec la tête de Rizitas. Mais c'est des ouf. Ah mais tu vois, c'est pour ça. Franchement, une fois dans la semaine, allez sur le forum. Hein, tu vas rigoler un petit peu. C'est vraiment un cheat code de se brosser la langue. Et mon ex de 45 ans qui me l'avait appris. J'avais 18 ans. Détendez, j'imagine une salle de sa brosse à dents électrique. C'est dégueulasse. C'est vrai que dans le cul, c'est incroyable, les sous-côtés. Oh là là, je me brosse les dents dans mon homme. Oh là là. On a fait un petit tour de JVC. Voilà. Par-ci, par-là. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un petit like. Ça fait plaisir. Ça me permet de voir si la vidéo plaît. Si la vidéo plaît, on en sort d'autres. Donc n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des vidéos. Et puis les rails, moi je vous dis. Allez, tchuu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 u